sagesse dans les autorités imposables.
Il faut donner les cadenas, hein. J'avais déjà ouvert. Bon, frères et sœurs, il s'agit de la, si on peut appeler ça anniversaire, nous commémorons donc la troisième année depuis la disparition de notre patriarche, le tout premier secrétaire général du parti, mais aussi un des précurseurs de ce que nous avons aujourd'hui comme organisation politique. Pour nous, c'est une commémoration qui rentre dans les principes bibliques, mais aussi comme Africains, comme Congolais, nous pensons que tous ceux qui sont morts et qui ont servi convenablement les frères et sœurs sur terre ont une place, nous pensons qu'ils intercèdent pour nous. Et pour le cas de notre papa, de notre patriarche, il était non seulement engagé politiquement, mais il croyait en Dieu et il était un fervent catholique. Nous allons peut-être demander des petites excuses à ceux qui ne sont pas catholiques. Et nous pensons qu'il y aura un « Je vous salue Marie » justement, il y aura un autre père, avant que le jeune de l'État et que le secrétaire général, qui est aussi l'un des fils politiques du patriarche, fera son nom. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que seule ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos enfants est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, le fruit de vos enfants est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. En fait, de commémoration du troisième anniversaire de celui qui a été notre maître, mais aussi notre prédécesseur sur le côté du secrétaire général, notre parti. Je voudrais vous remercier et le fait de votre présence ici devant ce mausolée.
pour tout ce qui est arrivé, mais aussi remercier les frères et sœurs, certains directs camarades au parti qui ont accepté, qui ont pensé venir, mais qui ont accepté de ne pas être là parce que l'organisation a limité les nombres de bus et donc le nombre de personnes qui devaient venir aujourd'hui. C'est un lieu de recueillement pour nous, pas seulement à l'occasion de cette date du 14 juin. C'est un lieu que vous pouvez visiter individuellement, en famille ou avec un groupe d'autres camarades et d'autres membres du parti. Ici, nous faisons une démarche qui consiste à nous rappeler à nous tous que Pierre Lumbi au Congo, dont le corps repose en ces lieux, est parmi les gens qui ont lutté. Lutté pour que le peuple de ces pays, le peuple congolais, soit libéré du désordre, de l'oppression, de l'arbitraire et de la misère, pour entrer en démocratie, pour vivre la liberté des patriotes et la liberté des enfants de Dieu, vivre une vie digne. Il a donné sa vie pour cela. Comme je l'ai dit hier, de solidarité paysanne à Ensemble pour la République, en passant par le mouvement social pour le renouveau, il a cherché avant tout le bien commun, défendre avant tout le bien collectif, l'intérêt supérieur de la nation, et il n'a pas mis sa personne et sa famille biologique au centre de ses préoccupations. C'est l'exemple qu'il nous donne. Dans aucune des organisations qu'il a animées, il n'a préparé une succession familiale, comme d'autres dirigeants sociopolitiques aiment à le faire. Il était à l'aise dans son travail, il était à l'aise de s'entourer de personnalités et des acteurs de tous les coins du pays. Puisque le combat continue, puisque le peuple congolais n'est pas encore libéré de la misère, il n'est pas encore libéré de l'oppression, il n'est pas encore libéré de l'arbitraire, je nous exhorte à ne jamais perdre de vue qu'ici, nous pouvons venir comme en pèlerinage, comme en un lieu de ressourcement pour communier avec lui, pour que là où il est dans l'au-delà, avec les armes de l'esprit qui continuent à soutenir la lutte qu'il a engagée et qui se poursuit. Nous sommes ici aussi pour lui dire que la lutte continue et son œuvre se poursuit. Il y a encore des situations de persécution, il y a encore de l'arbitraire, mais nous voulons dire que tant que Dieu nous donnera le souffle de la vie, vous qui êtes ici avec moi, l'échantillon que nous représentons de tout ce qui appartient à notre organisation politique et à ses ramifications au niveau de nos alliés, nous allons essayer de tenir, la drapée haute, de faire en sorte que la flamme qu'il a allumée ne s'éteigne pas. Nous voulons également lui dire que le président Moïse Katumbi, qui est aujourd'hui notre leader, ne faiblit pas, il ne tremble pas devant la menace, il ne tremble pas
devant les tentatives d'intimidation. Il tient la barre et nous, derrière lui, nous espérons que nous allons mener cette lutte jusqu'au jour où le sourire sera rendu à la majorité de notre peuple. Il s'agit d'une lutte noble, il s'agit d'une lutte qui consiste à respecter les enfants de Dieu, qui sont les êtres humains, à respecter les prochains, à respecter nos compatriotes et à nous assurer que tous ensemble, nous pouvons briser les chaînes de l'oppression et un jour considérer qu'il n'a pas fait de sacrifice pour rien, il n'a pas combattu pour rien. Il faut qu'on arrive un jour à voir les fruits de ces combats. Je nous exhorte tous à suivre l'exemple de ses maîtres. Comme je l'ai dit, qui n'a pas mis ses intérêts au-dessus des intérêts des femmes, qui a fait preuve de détermination, même dans l'épreuve, qui n'a pas failli, qui n'a pas tremblé devant la menace, qui a tenu jusqu'à ce que le Seigneur accepte qu'il puisse passer le flambeau, quitter ce monde pour l'au-delà. Nous sommes là pour renouveler en quelque sorte notre serment qui consiste à dire nous poursuivrons cette lutte. Nous allons la poursuivre tant que notre peuple sera opprimé, tant qu'il ne va pas accéder au bien-être qu'il mérite. Voilà ce que je peux dire en guise de mots de circonstance pour nous ici rassemblés et pour tous ceux que nous représentons qui n'ont pas pu venir pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Je vous remercie beaucoup. Parlez sur les autorités en tout cas. Là, les gens ne sont pas.
boutique est tout. Je ne sais pas comment ça va aller.